Et puis enfin, le crisscrossjazz.com est en train de réaliser un beau petit livre recueil qui résume 4 ans de coups de cœur, de rencontres et de belles photos, avec en bonus quelques inédits. L'occasion de revenir notamment sur quelques légendaires afters des soirées You and the Night de musique, organisées bien sûr par notre radio à l'Olympia, tout en braquant les projecteurs sur une nouvelle scène musicale propre à faire exploser bien des clichés sur le jazz. Déjà prêt en maquette à 95%, le site internet tente désormais l'aventure de l'appel de fond sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. Objectif, une impression de 500 exemplaires pour obtenir au final un bel objet collector. Et c'est vrai que les crisscross, comme on les appelle ici, je n'ai même pas leur vrai nom, ils sont deux, ce sont vraiment des gens jeunes, passionnés, un peu fous, très rigolos. Et c'est vrai qu'ils ont un regard qui est complètement nouveau, joyeux sur le jazz et qu'il faut absolument les soutenir parce que, voilà, pour dédramatiser leur rapport au jazz, parce qu'il y a encore des gens à qui le jazz fait peur. Franchement, nous, à TSF, on ne comprend pas pourquoi. La preuve, écoutez comme c'est chouette le jazz, Thelonious Sphere. Manque avec Blue Manque.